racines de l'arbre monde Yggdrasil s'abreuvent au puits de Mimir. J'approche. J'ai gravement sous-estimé la taille de tes bourses, briseur de serments. Comment oses-tu te montrer ? Briseur de serments ? Je t'ai infligé ce que tu as fait à mon fils. Ce n'est que justice. Et Sutung, qu'as-tu à dire ? Ne me reproche pas ton manque de caractère. Tu as volé l'hydromel. Pour le bien de mon peuple, Loki. Pour les Æsir, les Vanir et tout Asgard. Mais pas pour les Jötnar. Pas pour moi. Tu as laissé les Jötnar entrer en Asgard. Tous ces morts pour que tu puisses faire venir ton fils. Il était en danger ici. Tous savaient ce qu'il était et ce qu'il allait devenir. Comme toi. Je t'ai juré de ne pas lui faire de mal. C'est la vérité. C'est une vérité aujourd'hui. Mais elle te tourmentera, sachant que tuer mon fils ferait s'évanouir ce destin. Libère-le, Abby. Libère Fenrir, ou je jure de te tuer sur place. Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard. Insiste, et tu verras. Tu as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Mais j'ai toujours été le plus mauvais. Je serai sans pitié cette fois. Tu es allé pour moi. J'offrirai ton cadavre à Fenrir. Sois maudit, tes liens fraternels nous unissent. Pourquoi attendre le Ragnarok, puisque tu mourras maintenant? Fini. Je te maudis, Abby. C'est ta méfiance qui t'a vaincu. Maintenant, va, que je ne vois plus jamais ton visage. Je reste tel que je suis. Tout ceci était écrit et se produira encore. Mais tu n'en seras jamais le témoin. N'en sois pas si sûr. La partie n'est pas terminée, car jamais elle ne s'achève. Partie ou en dire qui sait quelle malveillance. Je ne le reverrai pas de sitôt. Parle à quelqu'un? Tu as l'hydromel? Oui. Est-ce que je dois le boire? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton ougre s'envolera à jamais. N'en bois que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Alors que faisons-nous ici? Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil? Toi qui cherches l'immortalité, tu peux la trouver dans ces eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puiser ces eaux, il faut les infuser du sang de l'Exir. Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi aux eaux qui nourrissent l'arbre monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires.
Gunlod a parlé de chaos et de changement. Quel en sera le prix? Du sang d'Aesir infusera ses eaux. Et les pauvres humains de Midgard en seront à jamais altérés. Quant à ce qui adviendra ensuite, nul ne sait. C'est ce que craignaient les autres. Mais ils se sont toujours trop inquiétés de la vermine. Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre-monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton ougre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'ancien. Réponds-tu de cette étrangeté? J'y crois, et je dois y croire, car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vie? Tout cela et plus encore. Le sacrifice a eu lieu. L'arbre-monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromel. Et toi, quel est ton sacrifice? Ma liberté. Sutungr et Gunlod ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des Neuf Mondes. Que sont-ils pour toi? Nous avons régné ensemble quelque temps, une noble triade, comme le Père, la Mère et la Voix Sacrée. À 6 reprises, nous avons tenté de renier les crocs du Ragnarok, et avons chaque fois échoué. L'hydromel était la 7e. Mais ils craignaient qu'il ne change les humains en mal. Alors ils l'ont enfermé, et m'ont banni d'Utgard. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromel, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur, mon aimé, je ne te faillirai plus. Ma tâche ici est achevée. Je dois regagner Asgard pour sauver les miens. Apaise ton esprit et dis-moi ce que tu as vu. Des choses étranges, Valka. Je vois... Ah, et j'apprends plus que ce que mon esprit peut comprendre. Je t'écoute. Au Jotunheim, j'ai cherché et trouvé un hydromel d'une puissance incroyable. Il promettait un effet curieux. Le boire devait me délivrer de la mort. Me protéger de la destruction due au Ragnarok. Grâce à cet hydromel, j'ai espéré vivre au-delà de ma mort, dans un avenir lointain. C'est fascinant.
Quelle a été ta dernière vision? Elle n'est pas encore achevée. Quelque chose m'impose de retourner en Asgard. L'élixir t'attend, dès que tu seras prêt.